He paints a smile on his face with his makeup now. Although he's broken-hearted, but the rule of the clown is simple, and the show must go on as always. People are there to laugh at him, and he mustn't let them die. He's lost someone dear to him, and he's crying now, although he doesn't show it. He gives the show of his life, though he's breaking down, although you never know it. But there's something different about his smile, familiar frown. Yes, there's something different about him now. He's paying. Oh merde, Jordan. On m'attend pour une fête de salmioche. Il faut que je me prépare. Voilà ton gâteau, tu es prêt? Ouais. Vas-y, souffle-les toutes. Allez. Ouais. Ouais. Super. Ouais. Bravo, chérie, bravo. Ouais. Ouais. Ouais, attends-moi. Je serai de retour d'ici une petite heure. Laisse pas ces belles choses refroidir. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes, chérie? Ouais. Il reste des biscuits sous l'évier. Hé, tous les deux, on ne joue pas dans la maison. C'est ça, ouais. Oh non, Denis, tu vas pas, papa. Arrête. Tiens, tiens, fais pour toi. Tiens, oui, je vais le manger. Dégage. Passe-le-moi. Viens. Regarde, on voit ma maison d'ici. Joyeux anniversaire. Dominique et tous les dollars. J'ai honte. Restez pas là, bande de sales morveux. Ça va? Vous êtes en retard. Ouais, toi t'es vraiment moche. Je plaisante. Bon, va falloir cracher. Pas de fric, pas de spectacle. Merci. Attention, voilà le clown Stitchy. Oh, regarde. J'en ai pas. Et puis ça colle son truc. Alors ça vous plaît? Hein? On s'amuse comme des petits fous. T'es vraiment trop nul, toi, petit clown. Allez, vas-y, enchaîne, pauvre naze. Bande d'enflure. Bon, c'est qui l'aura de la fête? J'espère que c'est mon Et maintenant, le chapeau du mystère. Oh, il est vide. Totalement vide. Comme ça, c'est mieux maintenant. Ouais. De quoi vous avez envie? D'un stégosaure. Les ballons pour les dinosaures sont en voie d'extinction. Je peux vous faire un chien. Je veux pas un chien. T'auras un chien, point barre, alors ferme-la maintenant. C'est toi qui la ferme. T'es pas mon père. Ça, t'en sais rien. Bon, on continue. Voilà. Bah, c'est un vélociraptor, quoi. Là, ça ressemble un peu. Tiens, on dirait la tête. Ouais. Garde à vous. Repos, repos. Et voilà. Salut! Elle est toute pourrie pour arrêter maintenant. Je suis vraiment tenue, je vois vraiment pas ce qu'il y a dedans. Comment t'as l'air d'engager Snip? Allez les enfants, il est temps d'accueillir Rigolos. Sérieux? Allez!
Allez, dis bonjour, Rigolos. Salut, je suis Rigolos. Au revoir, Rigolos. Allez, maintenant, place au jonglage. Vas-y, lance-lui dessus. Dégage de la salope. Allez, va te coucher, mon chéri, hein. Whisky est là, Jenny, la cookie kindea. Narasi d'astatusa surie. Dumu spirio in che coipi tubo. Sirmina. Ce n'est pas à nous d'agir. Mais retiens ça, un clown ne pourra jamais trouver le repos tant qu'il n'aura pas achevé son numéro. Et une farce n'est jamais aussi drôle la seconde fois qu'on l'a fait. À 6h du matin, vous n'auriez pas pu trouver un autre vol, Denise. Je ne sais pas comment je vais faire pour rester éveillée pendant toute la nuit. Non, ne vous inquiétez pas. Non, je connais très bien Londres. Oui, à une autre époque. Bon, bref, il faut que j'y aille. D'accord, à bientôt. Voilà, tout est réglé. Ça te plaît ?
sens pas bien? Ouais, c'est juste mes devoirs. J'ai un contrôle de maths vendredi. Et en plus, tu seras même pas là pour mon anniversaire. Hé, hey, mais te gêne pas, toi! Tom, je suis désolée, mais si je ne pars pas, ils vont envoyer Bernie et je ne veux plus perdre de temps à cause de cette conne. Si ça t'ennuie vraiment de rester seule, pourquoi tu ne demanderais pas à un ami de venir un peu à la maison? Je vais y réfléchir. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne me dit rien du tout. Pris ton déjeuner. C'est bon, maman. Alors, chut. Comment ça va? Tranquille? De quoi je me mêle? Pauvre fille. Ouais, vous êtes bonne, ouais, ouais. Ouais, mais pas toi. Là. Garde tes réflexions pour toi, pauvre naze. Achète-toi une vie. Quelle petite pétasse. Prends l'air. Raté. Minable. Kate, t'aurais vraiment dû venir hier soir. On a joué pendant 4 heures d'affilée. Fintan a décrit un de mes solos comme une pénétration mentale. J'ai joué tellement fort qu'on n'entendait même plus le reste du groupe. J'ai bien envie de changer le nom du groupe pour Dan. Fintan était tellement ému par un de mes solos qu'il a pleuré pendant 4 heures. J'ai été obligé d'assurer la rythmique, j'ai juste fait la grosse caisse avec le pied, mais bon. Quand même. J'aurais aimé que ma fan numéro 1 assiste à ça. Écoute, pas ici. Et de toute façon, je suis pas ta fan. Est-ce que tu comptes t'acheter un portable et m'appeler des fois? Mais j'en ai un, j'en ai même 3. T'étais censé m'appeler à 8h. Oui, mais bon, je t'ai occupé. Ouais, apparemment, à écouter tes solos. Et je fais aussi la grosse caisse avec mon... Ouais, eh bien, tu sais, je commence à en avoir vraiment marre que tu m'appelles pas quand tu dis que tu vas le faire. Je pense qu'on devrait... Non, laisse tomber, on se voit plus tard. Mais... Kate? Hey! Tom, bon, tu me le donnes ce devoir, cours d'anglais dans 5 minutes, s'il te plaît. Je l'ai pas fait. Oh, allez, mon grand, tu me rends service et moi je fais... pareil. Ah, si t'es d'accord, bien sûr. Je veux dire, je préférais pas. Dis-moi, Tom, on est toujours amis, pas vrai? Vraiment désolé, petite merde. Enfin, je veux dire, toutes mes excuses, vieux frère. On se voit plus tard, chérie. Allez, on se calme. Sortez vos livres. Prenez la page 36. Essayez de répondre à quelques questions tout seul, pour une fois. C'est qui, la nouvelle? Elle est pas nouvelle, c'est Marie. C'est Marie? Ouais, c'est ça. Fous-toi de moi. Putain! T'as vu Marie, le gros boudin? Ouais. Marie le boudin a bien changé depuis l'été dernier. Soit elle est partie dans un camp d'entraînement, soit elle a chié un truc énorme, soit je sais pas. Hé, hey, t'as un truc de prévu ce week-end? Genre samedi? Non. Je me disais que tu pourrais peut-être venir à la maison. On pourrait s'envoyer des biens en regardant l'intégrale de Vin Diesel, tu vois? Attends, y a personne chez toi? Oui, mais c'est pas possible. On avait qui? Personne d'autre. Et pourquoi pas Richie et Bulger? Non. 2 personnes, ça va. 3, c'est la fiesta. Quelqu'un a dit fiesta? Une fête? Y aura des gâteaux? Y a pas de fête, merde!
On se tait. On se tait en classe. C'est fini, tout le monde. S'il vous plaît, remettez-moi vos copies, mesdemoiselles, messieurs. Et merci encore pour vos efforts intenses. Et ce sera tout pour aujourd'hui. La blonde, plus d'étirement ici. T'as des kilos en trop, t'as vraiment grossi. L'épouvantail, allez, bouge-toi un peu. Toi aussi en rose, remue-toi, espèce de balourd. Allez, Betty Boop, encore un petit effort, on y va. Allez, et toi la baleine, on y met du cœur, la binocle. Et toi, qu'est-ce que tu fous les bras croisés? Allez, faut se bouger. C'est très bien ça. Toi, fais comme lui. Hé, hey, Michael Jordan, laisse tomber ce ballon et entraîne-toi comme les autres. Ouais. Mais c'est quoi ça? T'es encore en train de commander à bouffer? Non. Allez, pousse-toi de là. C'est le seul à avoir une maison disponible. Il veut même pas organiser une fête. Vinny, fous-lui la paix. Pourquoi? Parce que c'est son anniversaire ce week-end. C'est son anniversaire ce week-end? Ouais. Attends, le week-end prochain? Ouais, le week-end prochain, c'est son anniversaire. Avec du pain à l'ail. Donc je me disais que ce week-end, on pourrait organiser une petite surprise pour Tom. Ce serait comme offrir un stroboscope à un épileptique. C'est pas possible. Allez, on se bouge! Bulger! Bulger! Passe-moi le ballon! Allez, vas-y. Allez, Tom, arrête de rêvasser. Bouge-toi un peu, allez! Allez! Écoute, faut vraiment que t'organises cette fête samedi. Non. Kate et Dan sont sur le point de rompre. Tu peux me croire. Ça fait 6 ans que tu bandes pour elle, c'est le moment. Ne dis rien maintenant, mais essaie d'y penser. C'est toi le meilleur, Tom. Allez, Tom, arrête de discuter. Bon, allez, Tom, lance. Allez, passe le ballon. Oh. Attendez, attendez, attendez. Vinny? Richie? Bulger? Oh, génial, ça y est. Ça y est. Alors, tu vas le faire? Ouais. J'y crois pas. C'est fantastique. Ouais, il y aura du gâteau et plein de trucs. Si tu le dis. Tom, il faut faire des cadeaux, parce que tu sais, c'est pas vraiment mon genre. Hey, Kate! Qu'est-ce que je vous ai déjà dit à propos de ces bottes à l'école? Interdit. Interdit. Les chaussures, comme vous le savez, doivent être de couleur noire ou marron. C'est plus un uniforme si on a le choix des couleurs. Là, ce n'est pas du tout la question. Je n'attends pas de réponse. Vous êtes quoi aujourd'hui? Emo, c'est ça? Je suppose que vous allez vous teindre les cheveux en rose et après ce sera un anneau dans le nez. Puis vous prendrez de la drogue et d'ici 5 ans au maximum, vous vous retrouverez seul, sans amis, à manger vos propres cheveux. Ah, vous trouvez ça drôle? Vous pouvez rire, oui. Ça vous démangeait, on dirait. Salle A4 à 4 heures. Retenue. J'y serai pour vous surveiller. On rigole plus maintenant. Et puis, si je vous prends encore à porter ces bottes dans les couloirs, j'envoie un avertissement à votre maman. Hé, hey, enlève ça! Mais quel gros connard! Salut, Kate. Ah, bonjour. Comment ça va? Ah, j'ai eu le droit à une colle.
Tu te souviens de la fois où on était dans la classe de Miss Burke et qu'on s'est fait coller pour un fou rire? J'ai quelque chose pour toi. T'organises une fête? Oui. Eh bien, je suis pas sûre pour samedi, j'ai peut-être autre chose. Ah, avec des amis? Ouais, enfin, avec des copines. Eh bien, tu peux leur dire de venir aussi, si tu veux. Enfin, il y a de la place pour tout le monde. Ah ouais? Ouais. Bon, ok, je leur en parle et on verra. D'accord. Oh, et le dress code pour samedi, c'est décontracté. Donc je ne veux pas te voir chez moi avec ces chaussures. Sinon, j'envoie direct un avertissement à ta maman. 7B, monsieur Clifford. Cours de match, je crois. Oui, monsieur. Allez, hop, hop. Oui. Espèce de petit con. Je suis un gentil général et mes soldats sont très heureux. Nous partons à la guerre ensemble et nous sommes très courageux. Désolé, mais c'est pas du tout dans le ton. Pourquoi t'es encore là? Oula, je voulais pas te faire peur, Tom. Tu t'es mis sur ton 31? T'as des projets pour le week-end? Non, rien. Ah, oh, et tu voudrais nous faire gober ça? Eh ben, sauf que j'ai vu l'invitation. On a vu l'invitation. T'as invité absolument tout le monde sur ton mur. Non, non. J'ai jamais fait ça. T'es en train de me mentir? Non. Je le vois bien dans tes yeux de fouine et de petits bourges de merde. T'es en train de me mentir, Tom. On va venir chez toi avec TLM. Et tu sais qui c'est, TLM, hein? Tout le monde. Tout le monde chez toi. Allez, vas-y, Sarah. Donne à Thomas le petit train, son cadeau d'anniversaire. Raclée d'anniversaire. Oh, ça va aller, Tom. Hein? Donc on se voit samedi, c'est ça? Je parie que tu sais même pas embrasser une fille. Si tu voyais la chatte d'une fille, tu mettrais un pansement dessus. Ça va, Tom? Qu'est-ce que t'es allé raconter à propos de ma fête? J'ai fait tourner l'info. Grâce à moi, t'as déjà 32 amis. Je connais même pas 32 personnes. Ça viendra, fais-moi confiance. Ça va être chouette. Hein? C'est pas vrai, encore ce vélo pourri. C'est pour toi, ma belle. Toi, Bulger, espèce de gros feignant. Fais ça. Quelqu'un a pensé aux boissons? Ouais, bien sûr. Cet endroit me rappelle des souvenirs, hein. C'est sympa. Ouais. Salut, Bulger. Ah, le voilà. Eh ben, allez, enfin, c'est parti. On a plein de boulot.
Allez. Cool. On y va. C'est toi qui as les cacahuètes, je parie que tu les as oubliées. Ah, ça va, tu t'en remettras. Les gars, je vais pas y arriver tout seul, il va falloir m'aider. Tom, c'est pas compliqué. Tu serres bien, tu tournes et hop. Richie, mets ça un peu plus haut, ça ressemble à rien là. Ta gueule. Non, toi ta gueule, Richie. Tu serres bien, tu tournes et hop. Qu'est-ce que tu fais? Tiens, va les gonfler. Est-ce que quelqu'un peut me couvrir ces poubelles? C'est vraiment affreux. Hé, t'as pensé au papier crépon? J'ai acheté des feuilles. T'as acheté des feuilles? C'est pas ce que tu voulais? Mais non, j'ai dit du papier crépon. Mais t'en fais pas, c'est seulement sa première fête depuis 6 ans. Hey! Bon travail. Il nous manque plus que des nanas. Venez faire la fête, les filles. Désolé les filles. Tout se passe bien? Bah oui, merci. Moi c'est Richie. Et vous? Ça peut aller, enfin, si on fait abstraction de tous ces losers pathétiques et ceux qui ne ressemblent à rien. En fait, tu vois, j'ai un look d'enfer, mais les autres invités, laisse tomber. Oh, la honte. Encore une pauvre fille super moche qui porte une robe super courte. J'arrive presque à voir son vagin. Il y a vraiment beaucoup de monde. Ouais, c'est mortel. Tu crois? Ouais. Ouais. Oui. T'as pas vu Kate? Non, c'est pas vrai, la voilà. C'est sympa ici. Hey, comment ça va? Ouais, enfin, non, elle est trop bien pour toi. Mais non, pas du tout. Quand elle aura quelques verres dans le nez, tu verras. C'est beau de rêver. Cette bouche à pipe ne demande qu'à venir jouer dans mon slip. Hey les gars, photo de groupe. Faites-moi votre tête d'abruti. Bolger, belle tête d'abruti. Ah, t'as pris la déco aussi? Oh non, efface-moi ça, je supporte pas mon double menton. Merde, Tom. Détends-toi un peu. Désolé. Je me détends. Ouais, profite. Et je leur ai fait sauter la tête à tous les trois, bang bang bang, dans la foulée. C'était juste incroyable. J'avais jamais rien fait de pareil. Ensuite, je me mets à courir et je saute dans la tranchée. Et là, il y en a un qui récupère un champ de force et j'ai juste le temps de lui sauter dessus et d'exploser. Bon sang, c'était vraiment incroyable. Un cookie maison. Oh non, merci, je les digère pas bien. Ensuite, je fonce vers l'ascenseur, je fais demi-tour et j'en shoot un autre en plein dans la... Tu m'écoutes pas du tout, en fait. Tom, file-moi le cookie. Je l'ai mangé. T'as vraiment tout bouffé? Tu l'as mangé? Ça doit faire l'équivalent d'à peu près 40 joints. Tu vas être défoncé. Croise les doigts pour que Kate débarque pas d'ici une heure. Sérieux. Fais chier.
T'es sûr que ça va? Je peux pas. Quoi? Kate est là, je te signale. Où ça? Là, elle arrive. Salut les gars. Salut. Salut. Il faut que j'aille faire un truc. Salut Kate. Oh chérie, j'adore. Viens par la Bulger, on va danser. C'est sympa comme fête. J'ai mangé un cookie. Tom, t'es défoncé? Qui, moi? Non. Enfin si, t'as pu te libérer? C'est génial, c'est super. Ah, dis donc, tu connais plein de monde? Ouais, ouais. Eh, merci d'être venu. Ta gueule. C'est Jeff, il est marrant. J'ai besoin d'un verre d'eau. Oh, je t'ai manqué. Ok, oui, tu m'as manqué. Ah, oh, mais je parlais de la bière. À côté de moi en cours de maths, c'est juste un dégénéré. Regarde-moi cette barbe, faudrait lui payer un rasoir. Des chaussettes blanches avec des chaussures noires. Ça, jamais. Je sais. Et la nuit, est-ce que on tu... On pas dans les années 90. Oh, regarde, elle est là. Oh, elle est vraiment trop. Je me sens humeur romantique. Winnie, t'es aussi romantique qu'un type qui se branle dans un parc d'attractions. Les gars, il va me falloir un coup de main. On y va. Hey, je vous présente Tom, c'est sa fête. Salut, ça va? Salut. Merci d'être venu. Ouais, merci à toi. Tu te sens bien? Oui, oui, ça va. C'est bon, pardon. Bonsoir, je peux prendre en photo? Salut. Ouais, ouais, c'est ça. Allez, déplace-toi un peu par là. D'accord? D'accord. Voilà, joli. Sympa, ça. Allez, encore une. Voilà. On la prend seulement en photo. Ah oui, je vois. Ouais, ouais. Comment ça va? Salut Dan, c'est sympa d'être passé. J'aurais pas raté ça, j'aurais jamais raté ça. Sympa la décoration. C'est vraiment une belle petite soirée, je trouve. T'as mis les petits plats dans les grands, on dirait. Bien joué. Ouais, ouais. Regarde, c'est pas tes amis là-bas? Vous voulez que je vous laisse? Non, 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 sois pas bête. Mais oui, Tom, sois pas bête, Tom. On est bien tous les trois. Sois pas bête. Je vais te tuer. Oh, dis donc, je l'ai vu tomber. Je vais te tuer. T'as vu sa tête? C'est juste Paul, trouillard. Je vais te tuer, mon petit homme. Dégage, crétin. Va chier. Tom, est-ce que ça va? Bien joué, les gars. C'est pas notre faute si c'est pas s'amusé. Je vais te faire avaler ton sourire, espèce de connasse. Passe-toi, passe-toi! Viens. Allez, chérie, viens ici, je t'attends. Ouais. Tu veux vraiment te battre, c'est ça? Tu te la pètes, sale tapette. Poupée, tu ressembles à un pigeon dans un tas de chiffons. Écoute, je vois même pas pourquoi je te parle, face de fion. Poupée, t'es encore plus facile à sauter qu'une casse de marelle. Alors casse-toi. Va te faire mettre. Toi, va te faire mettre. Oh, mais j'y pense, tout le monde ici t'est déjà passé dessus. Ça suffit, Bulger. Toi et le débile, dehors, parce que personne vous veut ici. T'as une trousse à pharmacie? Dans le garde-manger. T'as un garde-manger?
Laisse, j'y vais. Tom! Bingo. Ma préférée. Comment tu te sens? Ta tête, ça va? Ouais, ça va. Tu te souviens quand on grimpait ici? Ah, oh, t'as toujours le télescope! Tu t'en sers encore? Tom, qu'est-ce que tu fous? Quoi? Pourquoi est-ce que le télescope donne sur ma maison? Pervers. Non, j'étais là l'autre soir. Je regardais le cimetière et j'ai vu de la lumière dans ta chambre. J'ai tourné le télescope un peu et je t'ai vu dans ta chambre. Tu avais l'air un peu en colère. Je sais pas pourquoi. Tu portais des vêtements de toute façon. J'ai rien vu d'autre, je te le jure. Pourquoi tu regardais en direction du cimetière de toute façon? Allez, ouvre la porte! Ou je vais finir par pisser dans mon pantalon de clown, putain! Eh, hey, y'a des toilettes dessus, bouffon. Va te faire foutre! Je sais que ça a l'air dingue. Mais la nuit, on a enterré Stitches. Je suis allé au cimetière et... j'ai assisté à un ancien rituel dans la crypte. Ça m'a vraiment foutu les jetons. Tu me prends pour un fou, hein? Non. De toute façon, je suis pas un voyeur. Je suis juste un peu dérangé. T'es pas le seul à être dérangé. Tous ceux qui étaient là il y a 6 ans ont été un peu secoués. Personne ne m'aurait cru. Alors, j'ai commencé à faire des tas de recherches sur les clowns, dans l'espoir de trouver quelque chose à propos de ce rituel. Et ainsi prouver que ça s'était vraiment passé. Les clowns existent depuis des siècles, tu sais. Regarde, on parle ici de bouffons au Moyen-Âge, de rites des peuples amérindiens, de l'ancienne Égypte et de tout un tas de cérémonies hilarantes. La fête des fous, le rite des ossements humains. Mais j'ai rien trouvé. Tout ça, c'était tout dans ma tête. Et ça, c'est quoi? Quand tu fais le choix de devenir clown, tu dois peindre ton visage sur un œuf. On appelle ça le spiritus singularum, l'essence unique de l'esprit. Personne ne sait d'où vient cette tradition. Elle est aussi ancienne que le tout premier clown.
fait pas le poids, tu vois. Elle est avec un autre et elle a pitié de lui, je veux dire. Ça rime à rien. Tu vois le genre. Oh, ça. C'est un goût de pisse. Il y en a encore ? Tu ressors tes vieilles farces, Paul. Non, mais t'es qui, toi ? Voilà qui va peut-être te rafraîchir la mémoire. Mon oreille ! T'en as de la veine, mon grand. Tu es aux premières loges pour voir mon nouveau show. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Oh, tu as l'air d'avoir mal. Tu dois avoir un chat dans la gorge. Laisse-moi voir. C'est à cause de nous s'il est mort. C'est faux. Et Tom, juste pour info, toutes les fêtes ne se terminent pas par un clown mort. On va enfin pouvoir commencer à s'amuser. Ok, donc la photo c'est ta passion, c'est ça ? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Enfin, tu vois... Il y a moyen de faire des trucs sympas avec ce genre d'appareil. Oh, fais voir. Je me demande vraiment où sont passés les autres. Ah oui. Tiens, si tu veux les regarder. Oh, d'accord. Ouais. J'aime beaucoup celle-là. Celle-ci est... Ouais, c'est toi dessus. Elle est plutôt chouette, je crois. Hey, Kate. Kate. Oh, je te demande pardon. C'est quoi ton problème, face de craie ? Mon problème, c'est ta petite scène avec Tommy, rouquine de merde. Oh, arrête, d'accord. Ce garçon a besoin de se détendre, pas vrai ? Comment va le pisseur, d'ailleurs ? En haut, dans sa cabane ? Il pleure, il est en train de s'essuyer. C'était une blague. Faut qu'il grandisse un peu. C'était pas vraiment drôle, en fait, tu vois. C'était carrément hilarant. En tout cas, t'aurais pas vu Paul dans les parages ? Ton abruti de copain ? Oh. Non. Non. Kate ! D'accord. Si tu veux vraiment me mettre en colère, va falloir faire un peu mieux que d'enfoncer Paul. Mais puisqu'on parle de petits copains, avec quel chanteur est-ce que tu couches en ce moment ? Ça change si souvent, je... Tu comptes des points, en fait ? Ah, tu vois, c'est assez compliqué, en fait. Ce serait un boulot à plein temps. Puisqu'on parle de boulot, il paraît que tu t'en tires bien en bossant avec ta bouche. Ouais. Quoi ? Dis-moi, pourquoi tu crois que les gens te surnomment... Kate la suceuse ? Ah ! Putain ! Oh. Ah. Allez, mon petit, va chercher. On dirait que t'as trop bouffé, gros tas. Paul, casse-toi. Ce n'est pas Paul. Non, il fait la tête. Voyons s'il te reste un peu de place pour le dessert. Oh, de Dieu. Au secours !
Alors on se sent un peu ballonné, mon gros. Est-ce que tu veux que j'appelle quelqu'un? Oh, t'es dégueulasse. J'étais grosse tout le temps. C'est juste que... Enfin quoi? J'aime bien manger. Enfin bref. Parle-moi un peu de toi. Je peux faire durcir les tétons des filles sans les toucher. Quoi? Allez, viens en Paris. Alors vous faites quoi tous les deux? Il dit qu'il peut faire durcir mes tétons sans les toucher. Il plaisante pas. Je l'ai déjà vu pratiquer sur les nichons de Bulger. Ok, laissez-moi me concentrer. Regardez, les deux font la paire. Un con et une conne. Ah, Vinny, t'es trop con. Paul, c'est toi? Est-ce que t'essaies d'être drôle? Ce clown n'est plus drôle. C'est terminé. Allez, décroche, Vinny! Prépare-toi, le clown arrive. Pétasse. Fais gaffe, fais gaffe.
Écoutez-moi, vous devez partir d'ici tout de suite. Il y a un clown, il est mort, mais en fait, il est pas mort. Il est mort, mais il est revenu, il est dans cette maison en ce moment, il faut que vous partiez. Un clown. C'est toi le clown, en fait. Non, je ne plaisante pas, on doit partir tout de suite. Oh, quelle horreur, c'était pas une blague. Oh, merde. Vinny. Vinny. Vinny, je t'aime. Tom. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu sortes de cette maison tout de suite. Tu es en danger. Mais qu'est-ce que tu racontes? Le clown est revenu, Vinny. Écoute, tu dois rassembler tout le monde. Il faut que tu t'habilles et que tu sortes ici. Tu veux bien te calmer? Tout va bien. Je serai dehors dans 5 minutes. Vinny. On est en danger. Il faut. Vinny. On doit partir tout de suite. Vous allez la fermer ou non? 6 minutes. Moi qui t'attends, Vinny. Écoute, allez, descends, je sais que t'en as envie. De toi. J'ai besoin de toi. Oh. Allez, descends. Il veut vraiment te voir, Vinny. Il a vraiment très envie. Il dit qu'il veut bien te branler pour une bière. Vinny. Merde. Que tu l'aimes. Arrête. Voyons combien de vie il te reste. Kate, c'est Stitches. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Le clown de ma fête, il est revenu. Ce clown est mort à ta fête. Non, je suis sérieux. Tom, c'est Paul déguisé. C'est pas Paul, je le sais, je l'ai vu. Viens avec moi. Tom, non. Hey, dégage. Écoutez, il y a un tueur dans la maison. Ouais. Vinny est en haut, il a besoin d'aide. Va l'aider à border. Ouais. Quelqu'un a vu Paul, Richie ou Bulger? On a rien à foutre, ferme-la. Est-ce que tu veux qu'on monte? Non, je veux pas encourager son délire. Non, je veux dire... Est-ce que tu veux qu'on monte? Oublie-la, elle sait pas reconnaître un champion quand elle en voit un. Les filles. Allez, c'est l'heure de partir. Vous pouvez aller terminer la soirée ailleurs, les gars. Mouah, sympa d'être passé. Vinny! Pauvre type. Il faut qu'on s'en aille, tout de suite. Mais si tu ne pars pas avec moi tout de suite, il va nous tuer. Il faut qu'on sorte d'ici. Tu vois pas que j'essaie de me la faire? Oh, Vinny, dis à ce puceau de partir. Bah, t'as pas l'air très content de me revoir. Je sais comment te redonner le sourire. Allez, vite, on se casse d'ici. Chérie, remets ta culotte, on s'en va. Vinny. Vinny. Marie, allez, il y a un clown tueur dans la maison. C'est pas vrai. J'ai très envie de le rencontrer. Il a l'air plutôt rigolo. T'as 16 ans, c'est ça? Je voudrais pas aller en prison. Ça faisait longtemps. Bâtard! Écrase-lui la tête! Ah, j'y crois pas. Vinny! Je ne partirai pas d'ici sans Kate et les autres. Ah.
Tommy. Par ici, mon Tommy. Où es-tu? Dis-moi où tu te caches. Montre-toi où que tu sois. Par ici, Tommy. Par ici, mon petit Tommy. On y va. Non. Allez. Non. Courage. Non. Viens là, Tommy. Viens par ici. Par ici, Tommy. On n'a rien à craindre dans la foule. Ouais, il nous attaquera pas devant tout le monde. D'accord. Ok. Wow, où est-ce que vous allez comme ça? Dégage de mon chemin, espèce de connard! Tu vas te prendre un procès! Mon père est avocat! Pourquoi tu cries, boudin? Je croyais que t'avais l'estomac bien accroché. On s'amuse comme des petits fous! La suceuse, avale donc celle-là. Vinny, Kate, réveille-toi. Embrasse-la, Tom, c'est maintenant ou jamais. Kate, réveille-toi. Non. Ça fait deux fois que vous me faites le coup, bordel! Ça va? Où est-ce que vous allez comme ça? Si on le retrouve et qu'on le casse, je pense qu'on peut le tuer. Merde.
Ok, un de nous deux doit faire le guet. Quand tu seras à l'intérieur, tu verras de grandes étagères avec des centaines d'œufs dessus. Tom. L'œuf de Stitches a sa tête peinte dessus. Tom, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, vas-y toi. Bon, d'accord. Bien, on dirait qu'il y a une petite fête chez moi. Tu serres bien, tu tournes et hop. Joyeux anniversaire, Tommy. C'est l'heure de couper le gâteau. Qu'est-ce qui sera le plus drôle? La tête que tu vas faire en la voyant mourir? Ou la tête qu'elle va faire en te voyant mourir? On peut la jouer à pile ou face. Pile, c'est moi, face, c'est elle. T'es un psychopathe, Tom. Et ça me plaît.
Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le, c'est un cadeau de déménagement. On ne déménage qu'au bout de la rue. Ouvre-le, allez! Je me suis dit que t'aurais besoin d'un truc plus puissant si tu veux garder un œil sur moi. Même si je sais très bien que c'est pas ton genre. Ça oui. Traffic lights and traffic light abuse, but that's no stranger than strange.